salut à tous, c'est Tio Tonton. Alors, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la map La Traversée sur Spin Tire Mud Runner. Donc, Lumi est parti essayer de sauver son camion qu'il a laissé dans la flotte. Je sais même pas s'il va pouvoir le retrouver d'ailleurs. Et puis, moi, je vais essayer de traverser, d'aller au sud récupérer mes deux autres camions, les deux que j'avais pas débloqués. Et après, on essaiera de faire les scieries. Et puis, notamment, on a décidé d'essayer d'en faire une au K700. Voilà, on verra bien si on y arrive ou pas. Donc d'ailleurs, hop, on va d'abord placer la route. Donc je vais essayer, moi, c'est de traverser ici. Ça m'a l'air d'être plus étroit. Et je me dis que peut-être que ça sera peut-être plus praticable. Alors après, c'est voilà, c'est hypothétique, hein, on n'en a aucune idée. Après, t'as le K700, toi aussi. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais, mais bon. C'est. Hop. Hop. Putain, comment. C'est le bordel, mon gars, ici. Attends, ça comme ça, je pense. Un truc de ce genre-là, si on peut. Oh là 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 là. Ça m'a l'air haut, hein, quand même. On va essayer de faire un truc comme ça. Comme ça. Et ensuite. Le C375, à mon avis, il faut que j'y aille par le nord. Donc, il faut que je fasse ça, ça, ça. Tiens, il y a un camion et une remorque dans la flotte, c'est à toi, Thio? Ah bon, non, je vois pas du tout de quoi vous voulait-il parler. Grumier, grumier, pièce de répa, pot d'échappement. Remorque de répa. Utilitaire. 600 litres de points de répa, enfin, 600 litres d'essence et 600 points de répa. Je vais prendre ça. Ah merde, je suis pas bien placé. Ah oui, Ah merde, non, c'est une remorque utilitaire. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de benne comme ça, moi. Grumier, grumier. Ah oui, la remorque utilitaire, là, elle m'arrange pas, hein. J'ai pas envie de traîner ce machin là derrière, là, je vais galérer. Ah oui, donc j'ai pas de benne en fait. Donc vaut mieux que je parte à vide en fait, hein. Deux points de garage, ça va pas me servir à grand chose. Ah si, attelage utilitaire. Voilà, j'ai 800 points de répa. Voilà, au moins je pourrais me réparer. Bon. Allez, on est parti. Il me reste plus beaucoup d'essence, mais ça devrait suffire. Donc on est à 2 minutes 30, à peu près, hein, à peu près. C'est pas une science exacte. Hop. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est sur la route. Ici, on tourne. Là, c'est moins bien, on sort de la route. Ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est la traversée, quoi. Ah bah ça y est, j'y suis à la traversée. Oh là 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 là. Il y a l'air d'y avoir du courant encore, mon gars. Ah, putain, le trou. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux le faire. Non, non, tourne à droite. Voilà, faut que tu tournes vers l'eau, face à l'eau. Voilà. Allez, on y va. Allez, roule, copain. Bon, a priori, j'avance, mais lentement. Ouais, c'est chaud patate, hein, aussi. Hein. C'est plus étroit. Ça va. Oh putain, elle m'emmène l'eau là. Non, 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 non. M'emmène pas. Allez, grimpe, copain. Tu peux le faire. Oui. Allez. Tu peux le faire. C'est bon, je suis presque sorti de l'eau. Ouais, c'est gérable. C'est chaud patate, hein, parce qu'il y a du fond. En tout cas, avec la remorque de répa, ça se fait. Dur est fait. Je suis du bon côté pour aller chercher mes camions. Hop là.
Oh putain! J'avais pas vu la bosse. Bon, ici, a priori, ça roule. On va rester près des armes, tu sais, pour pouvoir s'outroyer s'il y a besoin. Oh là là! Ah, encore un caillou. Ces arbustes. Un pec. Oula, 6 de dégâts, mais bon, ça tient. Hop là, oh, doucement. Voilà, c'est bon, on est passé, on a rattrapé la grosse route boueuse, là, tu sais. T'y arrives avec tes camions ou tu galères? Je commence à sortir le premier camion, là, mais en fait, je suis pas fait parce que mon K700 part en boue. Ah bah, c'est le vent, hein. Enfin, c'est le vent, c'est le courant, je veux dire. Non, c'est ces roues qui sont tournées de manière à la pluie. Ah, après, si tu sais pas conduire, je peux pas t'aider. Hein. Allez! Hop. On se tombe par ici. Oh, y'a de ces caillasses, mon gars. Mais bon. Ça y est, j'ai trouvé le C375. On va écraser quelques citrouilles. C'est celle que j'avais ratée dans le défi la dernière fois. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, bon, pour repartir, le mieux c'est de repartir sur mes pas. Je peux peut-être remonter par là. On va tenter, hein. Comme ça. Ça c'est bon. Ouais, le suivant il est là-bas. Par contre, lui pour l'atteindre. Madre Dios. A mon avis, c'est par là. Ou par là. Ça, ça a l'air chaud patate là. Vaut mieux passer là. Donc là. Là. Donc on va essayer ça. Tac. 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 Oula, là, c'est quoi ce boss? Non, c'est bon. Tac. Tac, tac, voilà. Allez, on tente. Hop là. J'ai pas du tout défoncé des jardins avec des citrouilles. Hein. C'est pas mon genre. Hein. Bon, moi j'ai bientôt sauvé le camion. Maintenant, il va falloir que je m'attaque au plus simple, la remorque. Ouais. Parce que autant le camion il était sur ses roues et en plus tu peux donner avec le câble la commande de treuil. Mmh. En fait c'est compliqué le treuil quand tu treuilles un de tes propres camions. Je trouve que c'est beaucoup plus simple quand tu treuilles sur un pote. Ouais, mais je pense que c'est un peu logique aussi. Mais bah parce que là en fait tu ne peux pas enrouler le treuil. Quand tu. Ah je pensais que tu pouvais. Non, quand tu fais la commande de treuil en fait c'est tu fais avancer ton camion. Ah super. Ouais, t'as vu. Bon, donc j'ai déjà sauvé le camion. Hop là, impeccable. Mais bon, j'arrive au D535. Tu sais, c'est celui qui est fourni avec son réservoir de carburant géant. Bon, c'est bon, bah, je les ai si tous. Veux, là, mon camion, je suis en train de le ramener sur la terre ferme. Je pense que la remorque, on va abandonner. Hein, Alors, attends, garage, K700. Garage. Ouais, le problème, c'est que tous les rondins sont en or, quoi. Oui. Je te propose qu'on se retrouve avec le camion au garage nord. Donc celui qui est au nord-est, là Celui sur lequel t'arrives, là. Non, l'autre. C'est à l'autre qu'on va se charger.
D'accord, celui qui est complètement au nord, Complètement à au l'ouest. nord-ouest, ouais. D'accord, donc du coup, je suis où là? Je suis là. Faut que je Et fasse. je pense qu'on va se charger soit. Alors, soit on le fait en rondin moyen, soit on le fait en petit, en remorque de rondin court, plus une remorque. Enfin, tu vois, en benne plus remorque. Putain, ça va être chaud patate ça. Faut prendre les K700 pour faire ça, non? Non, le K700, tu peux lui mettre qu'une seule petite remorque. D'accord. Ah, je pensais que tu voulais qu'on fasse avec le K700, moi. Alors attends, Bah non, tac, le tac. deuxième, quand il faudra traverser la flotte. Ah oui, bon, ok. Voilà, c'est bon, j'ai marqué mon chemin. Tel le petit poucet, je ne suis plus perdu. Faut que j'aille par là. Et donc en fait, pour sortir un de tes camions, il vaut mieux t'atteler au K700 depuis le camion que tu veux secourir Ouais. et te mettre en mode treuil dans ton camion. Et donc en fait, ce qui fait que tu dis au K700 d'avancer. Et donc le K700 il avance, toi tu gères ton camion comme tu veux. Et donc bah ça fait quand même une putain de masse de traction un hein, K700 en Ouais. comptant tous les coulisses. Hein. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon truc. Au départ, je m'attelais avec le K700 et je comprenais pas le. Mon camion, il avançait pas. Ouais. Donc en fait, t'as utilisé la traction du K700 à partir de ton camion à quoi? À toi. C'est ça. Donc le K700, il avançait pleine balle. Moi, je t'ai attelé derrière. Allez, avance. Bon, quand on arrive en ville. Et ouais, moi, quand je suis en ville, je klaxonne et je vous emmerde. Pardon. Merde! J'ai pété l'arbre sur lequel j'étais accroché. Ah, c'est pas mal ça. Attends. Tac, tac. Et là, c'était le seul arbre dans un rayon de 500 Non, mètres. non, non, il y en a d'autres. Ça m'est arrivé ça une fois ça. Ah, mais je suis sur un autre arbre là qui me fait chier. Bon, attends, on va essayer de tracter autrement. Je viens de faire un de ces drifts. Si je tracte vers là-bas, toi, genre là-bas, puf. Et bon. Et bon, on peut lâcher. Oh putain, je me suis encore tapé dans un arbre, quoi. C'est chiant. Mais quelle idée de mettre des arbres! Sans déconner. Mais Et bon. j'étais là, bon, bah, je peux reprendre mon K700 et essayer de récupérer un arbre. Allez. On rattrape la route. Ce qui va m'arriver un problème à force de m'acharner, c'est que il me T'auras reste plus plus que 100 litres d'essence. Ouais, t'auras plus de d'essence. Bah, je suis à 137 et j'ai pas traversé l'eau encore. Ah, mais tu verras, ça se fait bien après. Oui. Eh ben, je vais essayer de. Ouais. Je vais essayer de me servir du courant pour ramener la remorque sur le bord. Opec. Tu vois la taille des pneus du K700? Ouais. J'ai de l'eau au-delà des pneus. Ouais, mais enfin, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Le K700, ça le dérange pas normalement. Oui, normalement ils Le sont pas trop K700, près lui, non plus. il s'en tape. En cas de tentative d'attaque de la nature contre ton K700, le Et vainqueur, c'est le normalement il devrait K700. s'en faire. Hop là! Il Alors reste déjà, sur bonne le bord. nouvelle, la remorque est attaquée. Je répète, la remorque est attaquée. Elle est sur le flanc, mais elle est attaquée. Ouais, t'as plus qu'à la redresser maintenant. Ouais. Bon, ça va, ça se fait bien, ça. Hop là. Voilà. Bon, moi je bourrine, mais voilà. J'avance. Alors là, je vais arriver à la flotte. C'est là que ça va être un petit peu moins drôle. On est à 14 minutes.
Hop là. Allez, plus qu'à traverser l'eau. On va essayer de traverser en biais, comme tout à l'heure. Allez, copains, avance. Oh là 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 là. Non, 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 dans l'autre sens, dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Copain! T'as réussi tout à l'heure! Allez, tu peux le faire, je sais que tu peux. Vas-y! Allez, est-ce qu'il avance au moins? Ouais, si, je crois qu'il avance, hein. Allez. Il y a des trous, mon gars, dans l'eau. Ah, putain. Ah ouais, là, je suis mal, là. Allez! Allez! Allez, tu peux le faire là. Ah putain, il en chie. Hein. Je crois que j'ai fait un cratère de la taille de la. Oh là 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 là! Oh putain. C'est bon! Ah, je suis passé, fastoche! Il me reste encore 104 litres. Ça va. Et en plus, j'arrive direct sur la grosse route. Impeccable. Là. Ouh, 15 de dégâts. Tu feras gaffe, hein, il y a des cailloux sur la route. Je te fais des drifts avec le camion, tu sais. Bon. Voilà. Donc tu m'as dit là, il faut que je prenne quoi alors là? Donc ça on Ah le bah attends, désinstalle. t'es arrivé là? Ouais, remorque à bois. Remorque à Rondincourt. Donc je peux prendre une remorque à bois, c'est 3 points, et la Rondincourt c'est. C'est combien de points? 3 points aussi. Ça me fait 6 points si je prends les deux et 3 points seulement si j'en prends qu'un. Alors attends, hop. Moi, je vais me garer là. Est-ce Avec qu'il mon faut pas. moteur. Alors, du coup. Remorque utilitaire, Donc, il faut non. 8 points en total. Ouais. Donc, bah, soit on y va en rondin moyen, soit il y en a un qui prend. On prend Ben, tous les rondin deux, en moyen, fait. je peux pas la prendre, moi. A priori, je sais pas ce qui va pas. Attends, c'est peut-être ça. Si j'enlève ça. Il Donc, faut le attends. grenier, c'est tout. Il faut le grenier et rondin moyen. Désinstaller. Grumier. Et rondin moyen, ouais, d'accord. Donc rondin moyen, ça nous fait Il y a combien? comme 4 ça. points. Ça nous fait 8 Ouais. points. Bah écoute, Ouais. on tente, hein. On a pas, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Bah si, on peut le faire avec double rondin court. Ça, base de gros, on n'en a pas besoin. Allez, zou. Hein, Thio? De quoi? Ouais, non, on prendra les rondins courts avec toi. Avec deux. Alors, est-ce que je peux le plier normalement? Oui. Non, c'est pas. Non, c'est les rondins longs. Ah merde! Bon, bah donc on y va. Allez, move your ass. Oui, mais c'est la bourdelle. On est à 18 minutes. Ça passe. Mais Oui, tu je prends, pense, oui. si tu traînes pas au chargement, ça passe. Allez, you. De toute façon, on va faire une vidéo de 4 heures. T'as vu où j'ai tourné? Ouais, je te vois. Oula, 7 de dégâts. Il y a un caillou à l'entrée. Quand t'arrives à D'accord. fond de balle, ça pique. Attends, attends, on va se charger avant parce que sinon c'est le bordel. Voilà. En fait, je te rappelle qu'il faut que tu te mettes en ligne. Ouais, je sais bien, ouais.
Donc moi, je me suis pas fait niquer, je me suis mis en ligne et tant pis, j'ai fait la manœuvre après. Ouais, parce que j'ai fait aussi, regarde. Ça passe ou ça passe pas? Non, ça passe pas. Putain, il tourne pas mon camion, quoi. Ah, toi aussi, t'as eu besoin de me faire ça en plusieurs temps? Ouais, ah, il veut pas tourner. Ah, ah si, ça y est, il va y aller, là. Il va y aller. Bientôt. Oh la vache. Non, mais pas bientôt, en fait, hein, vu la montée. Quand je vois comment il en chie, je comprends. Merde. Ah oui, c'est par là. Voilà. Voilà, au moins on sait que quand on arrive pour livrer, on est bon quoi. Mais par contre, la route elle va être bloquée, je crois. Pas de ce côté-là. Il n'y a pas de barrage. Pas de ce côté-là. Ah, tu vois, il me semblait qu'elle était sur la grosse route en fait. Ah oui, si, mais c'est pas grave, faut qu'on passe sur le. Ah, du coup, faut qu'on passe. Alors, je sais pas où t'es parti, gauche ou droite? Droite. Ah merde. C'est pour ça que tu tournes à gauche. Donc tac tac, pose d'aiguillage fermé. Tu me rejoins, je t'attends. Ouais, d'accord, je te laisse gérer le. Oui, l'itinéraire après. L'itinéraire, ouais. Allez, zouf. Hop là. C'est bon, je te vois. Mais je sais, j'ai commencé à redémarrer en voyant ton pseudo. Impeccable. Putain, comment t'as versé, mon gars? Ah bah comme ça. Oh la vache. Pourquoi tu dis que c'est crack? Mais non. C'est les dents qui claquent. Bon, ça va, là, le sol est dur. Pour l'instant. Attends, tais-toi. Non, mais pour l'instant, ça va. Fuck, le virage. Oula. Quoi? Rien. Je te disais de te taire. Allez, vas-y, move your ass. Attends. Je sais même pas où on doit aller là. Bah, y'a une route, hein. Y'a une route, hein. Ah bon, où? Bah, sous l'eau. Par moment, elle ressort. J'ai pas mon masque. Je peux pas voir, j'ai pas de tuba, j'ai pas de masque, je vois pas la route. Hop là. On va y arriver, on va y arriver. Hop là. C'est bon, je vois la route. Alors, est-ce que je vais te niquer ou pas? Oh, le mec, il me coupe la route. Et... Non, c'est pas ça, c'est que... je tourne mes roues dans l'autre sens, hein, pour info. Eh, je t'ai quand même bien remonté, hein, quand même, hein. Allez, ça mord. Allez, regarde, regarde, regarde. T'as vu comme je t'ai monté? Eh, j'étais une longueur complète derrière toi, quand même, hein. Ouais, mais c'est ce qu'on disait l'autre fois, hein. Si tu regardes le speed qui passe devant toi, si ça passe bien, tu vas derrière. C'est si ça, tu, merde, tu, tu décales. C'est gauche ou droite? Droite. Mais moi, je vais à gauche. C'est ça, je m'en doutais, connard. Non, mais de toute façon, je t'aurais laissé passer, on pouvait pas passer à deux, hein. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, toi, tu laisses pas de traces derrière toi, c'est inadmissible. Ouais, mais pas non plus. C'est pour ça que c'est chiant, parce que du coup, je te vois pas, tu sais, je sais pas où t'as tourné en fait. Hop là. Ça, c'est le garage. T'as vu comment je drift avec un camion dessus? J'ai rien dit.
c'est faux, j'y suis pas du tout allé à la bois. J'ai vu. Ouais, y en a un, il fait rien qu'à pas avancer pour me bloquer, tout ça. Ouais, c'est ça, il va nous faire foutre. Et là, paf, je détache ma remorque. Ah, tu fais quoi le malin, hein. Et là, paf, ça fait comme dans Spin Tire, les rondins, ils passent à travers. Oui, bah on passe sans problème là. Oui. Je suis pas en cinquième comme tout à l'heure. Hein. Hop là. Bon, ça va, ça passe hein, quand même. On a connu pire et là, on va pas se plaindre quand même. Ouais, moi je me rappelle d'une traversée de la flotte. Oui, par exemple. Bah, ah, moi je me souviens de la traversée de la flotte. Je suis sorti, regarde, c'est le camion qui est devant toi qui était dans la flotte. Hein. Ouais, moi je me souviens de la traversée de la flotte avec les deux jeeps. On a fait chacun un tonneau. Est-ce que t'es retombé sur tes pattes? Bah non, en fait au début on s'est retrouvé couché, donc le moteur calé et tout. Et en fait, à force de nous pousser, la flotte elle nous a remis sur nos roues, on a réussi à se barrer. Ouais, moi elle m'a mis suffisamment sur le flanc avec les suffisamment d'angle. Pour qu'il redémarre. Pour redémarrer le moteur, ah bah je peux te dire que j'ai redémarré le moteur, j'ai treuillé direct, je me suis accroché à un arbre. Et puis après il m'a treuillé moi hors de l'eau. Et puis du coup bah la flotte en fait m'a refoutu sur le toit, mais vu que j'étais treuillé, ça m'a fait tourner autour de l'axe jusqu'à me remettre comme il faut. Tu sais bien la luminade hein. Puis après bah ça m'a foutu suffisamment sur le bord pour plus me reprendre. Oh là là, ah, les caillasses. Ah non, mais il y a des gros caillasses, je les avais pas vus avec ton gros cul devant. Hop là. J'adore voir les roues, tu sais, qui passent chacune leur tour. L'angle qu'elles peuvent avoir, tu sais, de déport. Et donc au final, bah ouais, j'ai réussi là à me sortir de la flotte et à treuiller dessus. Déchargé. Alors on est à 27 minutes. Ouais, on est à l'heure de faire une pause. Donc on va s'arrêter là, donc bah, comme tout à l'heure. C'est ça. Donc là vous allez pouvoir aller faire pipi, tout ça, acheter du popcorn et puis on rattaque une troisième vidéo pour la suite puisque ça va être un petit peu plus compliqué ouais, parce qu'il faut traverser la flotte. Donc du coup, c'est ça. Donc du coup, ben on vous laisse là. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à abonnez-vous, diffuser, liker, partager, laisser des commentaires et puis ben on se retrouve pour la suite dans une nouvelle vidéo. Allez, salut.